Hello les gars, hey. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va passer la journée en mangeant uniquement des paniers to go to go. Des paniers quoi? To go to go. To go to go. Ah, je sais absolument pas ce que c'est, tout le monde connaît sauf moi. Je vous explique, hier je suis sur TikTok, je me balade, je tombe sur les TikTok de Louis, le roi des to go to go. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et que j'avais envie de tester. Du coup je me suis dit bah en fait go, genre j'ai sélectionné les petits paniers, il y avait des petits trucs sympa et j'ai dit à Léna vas-y demain on filme une vidéo. Moi, aucune tant idée de ce que c'est. Ça me va. Oui évidemment. J'ai aucune idée de ce que c'est. Genre zéro. Non zéro. Donc, en gros on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger et on ne sait pas si on va être gagnant ou pas. Et nous avec la chance qu'on a, il y a fort moyen que ce soit des paniers cata toute la journée. Mais si on n'aime pas, on fait quoi? Si t'aimes pas, bah, tu pleures en silence. Donc, en gros c'est soit là aujourd'hui on va s'exploser le bide, soit on va rien manger, on va crever la dalle, voilà. Putain je sais pas. T'as très faim là? Ah déjà? Oui, j'ai hyper faim là. Combien sur une échelle de 1 à 10? 10 sur 10. Allez les gars, c'est parti, on vous embarque. Let's go. Go to go. To go to go. Du coup, on va chercher notre premier to go to go. J'ai la très très journée. Hâte. Du coup, évidemment, il s'agit d'une boulangerie sans surprise. Elle s'appelle Félicité et c'est dans le 18 parce que ça fait 40 milliards d'années que Léna marcelle pour aller à Montmartre. Logique, c'est le truc hyper touristique de Paris. Moi, on m'emmène pas. J'espère qu'on va pas avoir des gâteaux qu'on aime pas. Hein. Des trucs salés, c'est que c'est possible. Hein. Ah ouais, oh mon dieu. Non, non. De bon matin, la flemme. Donc, écoutez, les gars, c'est parti, on y va. Let's go. Let's go, trop hâte. C'est le petit bâtiment rose là. En plus, elle est trop déjà, cute. Sympa hein, de première de vue. Bonjour, panier to go to go à récupérer. Merci, bonne journée. Je crois qu'on a du sucré. Je crois qu'on a fait une bonne pioche là. Colissimo. C'est bizarre. Ils servent en direct par contre. Je pensais qu'ils étaient déjà prêts moi les paniers. Bah, moi j'étais persuadée qu'ils étaient déjà prêts. Je d'entendre de scène. Le prochain panier il est dans une heure et on a 30 minutes de route. Bon, ah bah, gros, là on se dépêche de ouf. Vous avez beaucoup de choses par contre. Ouais je suis choquée. C'est débile là. Oh my god, on voit tout Paris, je suis choquée. Oh regarde le petit décalage, les amoureux. Oh non, faut que je prenne une photo. Oh là là, elle va nous faire la touriste toute la matinée. Je suis étonnée, par contre les gars, les températures ont monté et tu fais mais oh, pas froid. Limite on a chaud. Bah du coup vu qu'on a eu tellement froid, on a l'impression que maintenant il fait chaud quoi. Bah ouais. Bon par contre j'ai une question. C'est quoi Montmartre? Comment ça c'est quoi Montmartre? Bah ça représente quoi le bâtiment là? Léna, c'est le Sacré-Cœur quand même. Bah elle est super jolie. Regardez. Comparé à moi. En gros, Montmartre, c'est un peu l'ancien Paris, genre, tu sais, c'est en mode, ça a gardé la vibe, tu captes. Ouais, des rois mages et tout. Bah, j'adore Montmartre. On va découvrir enfin notre bouffe, j'ai trop faim là. On a payé 3,99€. Tout ça? Oui. Pour, oh my god. C'est censé avoir une valeur de 12€. Ok. Donc on va voir. L'économie. Tiens, oublie, moi j'oublie. Vas-y. Ouh, j'ai allez, hâte. 1, 2, 3. Oh, oh my god, c'est des croissants. Moi aussi j'ai des ça croissants en mode couleur énorme. Oh my god, mais c'est... Oh. Ah, par contre ils ont l'air d'être un... Oh là 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 là, j'ai plein. Je crois que c'est à la cannelle. J'ai un croissant à la cannelle. Oh my god, attends, on est gâtés là. Mais c'est quoi ça? Vas-y, on goûte, on goûte. Donc Léna, elle a un croissant cannelle et un autre croissant un comme croissant moi. Coloré. Je sais pas trop ce que c'est. Vas-y, ça a l'air d'être sympa, vas-y, 3 doigts. Non, moi il est sec à mort, pardon. Tu y vas, moi. C'est quoi? Je crois que c'est à la cannelle. Hein. On adore la cannelle en plus. Salut. Bon ensuite Léna n'est pas prête de ce que j'ai là. J'ai un truc comme ça à la pistache. Oh my god. Je suis choquée. Oh my god, j'adore la pistache en plus. C'est vraiment un truc de mes préférés de toute ma vie. Ah oui j'adore la pistache. Tout le temps. Mais depuis toujours. Tu me connais mal ou quoi? Ça bon. Attends, il y a un petit goût de praliné genre. Ah. Quoi? Ah non, moi c'est dégueulasse. T'aimes pas? Non. Là, Léna, t'es pas prête. Dis-moi que c'est un truc au chocolat, s'il te plaît. J'arrive pas à les sortir, mais il y en a deux. Oh my goodness. Ah, mais je suis choquée. Mais c'est quoi cette chance de ouf? Dis-moi que c'est bon, ça, s'il te plaît, ce chocolat. C'est bon, mais c'est sec, quoi. Le gâteau, il était sec? T'es pas menteuse, toi? Maman. Le gâteau, t'as appuyé dessus. T'avais le jus qui sortait. C'est bon, ça. Ouais, mais je pense que c'est de la veille, c'est pour ça que c'est ouais. sec. Ça c'est grave, ouais. On se transforme en poupi là aujourd'hui. Vraiment. On mange toute la journée. J'ai jamais osé télécharger et faire un to go parce que moi je pensais que t'étais toujours full et que genre fallait limite y aller 4 jours à l'avance pour réussir à avoir un panier. Du coup j'étais en mode bah je laisse la priorité aux gens qui ont pas forcément les moyens et tout, c'est normal. Mais en fait il y en a plein. Il y avait des paniers à venir chercher à minuit qui expiraient et tout. Ils disaient vite le restaurant va fermer et tout. Alors là, to go les gars, ça va y aller. Donc, regardez, sac. On a pris un gros sac pour faire la récolte de la journée. Par contre là j'ai même pas envie de visiter Montmartre, j'ai hâte d'arriver au prochain. Moi j'ai envie de...
Oh putain. On l'aura pas, c'est impossible. Bon les gars, on est sorti du métro, on va chercher notre deuxième to go to go. Sauf qu'on est en retard. Mais là, je peux plus les to go to go. Comment tu dis? To go to go. Too good, too good. On va récupérer le panier le plus cher de la journée et de loin parce qu'il coûte 12,99€. C'est énorme. Bah oui, pour Too Good To Go, c'est vraiment énorme. En gros, c'est un petit déjeuner d'hôtel au Sofitel à Opéra. Et en gros, à la base, le petit déj, il coûte 40€. Donc là, c'est qui tout double. C'est soit on a un panier avec des œufs brouillés, du bacon et tout. Soit on a un panier éclaté avec deux croissants et on a payé 12,99€ pour rien. Non, pas encore des croissants là, c'est bon, je refuse. Ouais, moi j'ai envie de saler là. Ouais, pareil. Genre, j'ai envie d'un petit brunch et ouais, tout. Ouais, pareil, la même. On va voir aussi si du coup vous pouvez récupérer vos to go to go avec 5 minutes de retard. Bonjour. On a commandé un panier to go to go. Oui, très bien, donc ça sera à l'étage inférieur. Ok. Niveau moins 20. D'accord, merci beaucoup. Putain, et moi à la caissière, je dis to go to go. À la caissière, à la réceptionniste, je dis to go, j'y vais, to go to go. Croisez-toi. J'ai trop faim de saler la tête, de bacon, de petit déj d'hôtel. Bonjour. Bonjour. Un panier to go à récupérer. Oui. Et vous avez amené des boîtes. C'est vous qui l'avez vu. Vous l'avez vu. Ah, on se sert. Voilà. Génial. Super. Super. Je vais le choper ici. Et le poids. Et là, ça peut te faire couper du fromage de son écumé. Ok, super. Merci beaucoup. Oh my god. Galette de pommes de terre. Des champignons. Œufs brouillés. Bacon. Saucisse, haricots. Je veux du bacon là. Oh my goodness. Prends la blinde de bacon. La tonne. La tonne. J'ai un blanc comme ça. Ouais. Il va falloir forcer. Hein. Oh my god. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Je pensais qu'il nous avait servi. Mais là, on se fait les couilles en un là. Bon les gars, deuxième panier récupéré. Là, on va aller manger à l'appart au chaud. On va faire un bon petit brunch. J'ai très très. On s'est pas gêné. Hein. On a pris. Mais si moi je me suis gêné, sinon j'aurais pris plus. Hein. Mais si c'est moi qui aurais servi, mais MDR, les Tupperware, il serait tout plein. Il restait une tonne de trucs. Je suis choquée. Il a capté que j'étais grave gêné, que j'osais pas prendre. Du coup, il m'a dit non, mais prenez, ça va tout être à la poubelle. Du coup, j'ai rempli les Tupperware jusqu'à rabord. J'ai trop hâte de manger là. Surtout le bacon là. Oh mon dieu, j'en ai rêvé depuis 100 ans. Bon les gars, on est enfin rentrés après 30 minutes de marche. Je transpire un peu, vous savez même pas à quel point. On a fait réchauffer la bouffe. On va manger. On va se péter le bide là. Après, il y a d'autres to go to go. Hein, donc je sais pas comment je vais faire. Oh, on a fait réchauffer là, ça sent tellement bon. Room service. Oh my god, les assiettes. On va se péter le bide là, mais à mort. Bon, moi j'ai pris un peu de saucisson, des concombres, une galette de pommes de terre, un petit bout de fromage, un bout de pain. Moi j'ai pris champignons, bacon, œufs brouillés, un peu de saumon. J'ai laissé la majorité à l'ex parce que je préfère. Le saumon il est délicieux. Du saucisson et un peu de pain. Mon bon app. Bon app. J'ai goûté les pommes dauphines. Un peu trop rassis genre. Le bacon c'est trop bon. Les champignons sont excellents. Je vais laisser les goûts avec le plus dur. Hein. Oui, je fais exprès. Ils sont bien grillés. Très bon. Le saumon, il est excellent. Ouais, il est trop bon. Ah, il est tendre. Les gars, je vous conseille. Hein. Surtout, vous faites pas comme nous, vous gênez pas. Prenez tout. Vraiment. Et moi, j'avais l'impression qu'ils me regardaient mal, du coup, je n'osais pas. En fait, j'avais trop peur d'avoir la scène où j'arrivais pas à faire des Tupperware tellement j'en avais mis. Bon, les gars, j'ai une petite story time à vous raconter. En gros, c'était hier. On se baladait pour aller acheter des choses pour une vidéo. Et là, on arrive, place Saint-Honoré. Qu'est-ce que je vois? Des flashs, des gens, des cris. Je me dis, oh mon dieu, il y a des stars et tout. Juste avant, on a vu qu'il y avait Kylie à Paris. Faut savoir que Kylie, c'est mon idole de ma vie, je l'adore, je la suis tous les jours, je sais tout ce qu'elle fait, je connais toute sa vie, bref voilà. Je me dis, oh my god, là c'est la chance de ma vie de la voir. C'est que je peux pas rater cette occasion. Du coup j'y vais, je me faufile entre les gens parce que vraiment il y avait plein de gens et tout, tout le monde attendait les stars et tout. Je me faufilais dans les gens, j'ai trouvé un petit point où je voyais hyper bien. J'arrive d'entrée, Kris Jenner elle arrive. Moi je vois ce cri, je fais oh my god et tout. En même temps je faisais des stories, je filmais, je disais les gars regardez, il y a Kris Jenner. Ils sont en face de moi. À la star. Après
Après, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Jennifer Lopez. Oh my god, quand je l'ai vue, je faisais que ça. Oh, regardez, elle est trop belle, un teint de fou. Regardez-moi cette star. Et là, après quelques personnes, je vois qui? Tout le monde crie Kylie, Kylie, Kylie. Moi, je commence à m'affoler. Sauf que moi, je la voyais pas. Et là, je la vois passer avec Stormy en plus. Elle était avec Stormy. Ah, Stormy, je m'en ai pas vu là. Oui, elle était avec Stormy, mais je l'ai vue après parce que Stormy, elle était petite. Je la voyais pas avec les barrières. Mais on est à quelques mètres l'une de l'autre. Genre, elle est là. Là, j'ai vu mon idole et un de mes rêves s'est réalisé quoi. Quelle idole? Bah. Kylie? Mais oui, j'ai compris, genre quelle idole en mode waouh, quelle référence. Ah oui, j'ai vu le... Comment ça s'appelle? C'est une vieille avec les cheveux hyper carrés là. Non, je dis pas que c'est ce que tu parles de la personne à qui je pense. Bah peut-être. Donne-moi une autre description. Elle a souvent des lunettes. Anna Wintour. Anna Wintour, ah oui, c'est vrai. Elle est même pas passée devant le photocollé, elle s'en est battue les couilles, elle est passée comme ça. Enfin, j'ai vu des gens que je connaissais pas. J'ai quand même filmé, je me suis dit au cas où... C'est qui? Elle est belle. Je la connais pas. Pourquoi tu filmes si tu connais pas? Mais on sait jamais, imagine, c'est une hyper star que je connais pas. Et tu parlais toute seule. T'es folle. Mais je m'y attendais pas moi à l'avoir cette star. Mais tu me tues. Moi je m'en fous, je demandais à tout le monde. Excuse-moi, est-ce que tu sais si Kylie Jenner elle est passée ou pas? Moi, du coup, vous savez pas pourquoi je suis pas avec elle. Déjà, la meuf, elle entend des flashs et tout. Elle me dit, Alex, il faut qu'on y aille vite, 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 vite. C'est la chance de ma vie de voir Kylie et tout. Je tourne la tête, je regarde vers les flashs. Je retourne la tête, je la vois plus, elle était déjà genre à l'autre bout. Elle est partie, elle me dit, viens, viens, viens. Je dis, non, en fait, la boutique où on devait aller, elle fermait dans 10 minutes. Genre, je lui dis, non, moi je vais acheter pour la vidéo, après on va pas pour tourner. Et du coup, elle est partie, elle fait sa vie. J'ai la chance de ma vie de l'avoir, regarde, je l'ai vu. Hein. J'avoue, par contre, t'as eu de la chance. Imagine, je serais arrivée après. Oh le seum. Ouais, voilà, les gars, hein. J'ai vu mon idole. Je vous jure, les gars, je tremblais, j'étais comme ça. Oh, j'avais le cœur qui battait à fond et tout, c'était trop l'adrénaline, j'avais l'impression de faire un grand 8. Ah ouais, elle est trop belle, elle est petite, je suis choquée. Genre je la voyais à peine quoi. Un peu plus grande que Paola mais voilà quoi, sans plus. Mais elle avait des lunettes et tout Oui mais bon, j'ai vu son corps quand même. J'ai encore faim là. Bah moi aussi. T'as pas fini? Parce que c'est dégueulasse le reste. Dis-moi ce que t'en penses, moi je trouve que c'est un peu des bâtards parce que sur l'appli ils te mettent si vous pouvez prendre votre contenant. Ils préviennent pas qu'ils vont te laisser choisir dans le buffet. Sinon j'aurais pris tous les tubes à voir de la part genre. Vraiment, il y avait une tonne de choses, vraiment c'était abusé. God là j'ai envie de faire une sieste de 8h. Moi aussi j'ai envie de dormir carrément, j'ai envie de faire ma nuit. Oh, je crois que j'aurais vraiment faire une sieste. Bah c'est à 14h30. J'ai envie d'annuler. Pourquoi? Bah parce que j'ai plus faim. Il y a tout ça encore là, je vois pas les noms. Oui, mais t'as un timbré là, il y a un moment 10 commandes. Mais t'es un malade toi. Non, j'ai eu maintenant parce que comme ça le panier se libère pour quelqu'un d'autre. À part une petite micro sieste là. Je me sens tellement lourd là. Je me couche, je roule. C'est la merde. On a loupé les Togo Togo. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Mais c'est moi aussi, je dormais. On a dormi 1h30. Putain. Mais tu te rendors pas? On fait quoi là? Je me rends. Non, non, faut pas que tu te rendormes. J'ai dormi 2h, c'est plus chouette. Bah oui, bah. Tu dormiras ce soir. One eternity later. Bon, les. Y'a du bruit de partout dans cette ville. Bon, les gars, je vous retrouve dans la rue. Tout simplement parce que Alex est allé chercher chez une pote une trottinette. Alors, je n'ai jamais fait de trottinette électrique de ma vie. Quand j'étais petite, j'étais fan d'hoverboard. Donc l'hoverboard, la trottinette électrique, je sais pas trop si c'est pareil. Mais du coup, on va tester pour aller à notre prochain Togo Togo. J'ai pas besoin de prendre le métro. Écoutez, j'ai très très peur de ce qui va nous arriver là. Oh my god, la trottinette. C'est que même quand il y avait des trottinettes à Paris et libre service, on n'en prenait pas. Parce que c'était une phobie. Moi toute seule encore, je pense que ça va, mais avec Alex, le monsieur de main gauche, de pied gauche, alors voilà. Bon, voilà un revenant avec la bête. Déjà, question, est-ce que tu en as déjà fait dans ta vie? J'en ai déjà fait il y a genre 5 ans et j'ai failli mourir approximativement 15 fois par seconde. Mais moi, j'en ai jamais fait de ma vie de trottinette électrique. Non, mais je crois que tu vas conduire parce que toi, t'es plus assidu. Tu conduis mieux que moi, tu le dis tout le temps, tu te rends tout le temps. Mon là, dieu, mais dans Paris, c'est hyper dur. C'est même pas comment ça va. Teste tout seul. Ah, il arrive. Bonjour. Regardez avec, avec son manteau, on dirait. J'y arrive bien ma vie. Ah, je meurs, il y arrive trop bien. Et...
Vas-y, j'essaye. Oh my god, j'ai peur. Je peux pas, ça me. Là, y'a pas de voiture, tu sais, j'ai le cœur qui bat là. Mais moi aussi, je suis stressée. Attends, vas-y, fais essayer. Toi, t'es forte à ces trucs là. Bah, pas trop là, je sais pas trop comment faire. Si, si, moi je me mets derrière toi, toi tu conduis, hein. Moi je peux pas. Pourquoi c'est toujours un flop? Voilà. Envole-toi ma belle. Bravo ma pilote, regarde. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. En vrai c'est facile mais j'ai peur de conduire dans la rue de Paris là. Enfin surtout à deux. C'est à deux que c'est ça le problème. Ah non, moi j'y vais pas tout seul, c'est impossible. Enfin, moi non plus, j'y vais pas tout seul avec ça. Hein. Faut essayer d'abord avant de s'élancer. Hein. Moi je vais pas mourir. Hein. En plus, il y aura tous les vélos là sur les pistes cyclables, moi je me vélo. Parce que oui, je me montre que je conduis bien, mais au volant, je suis un peu tête en l'air parfois. C'est vrai. Il y a une voiture, attention. T'as vu en plus ces gens de Paris, ils sont fous. Voilà. Ouais, j'avoue. C'est ça qui me fait peur encore, on serait chez nous, je m'en fous quoi. Bon, viens, on essaye à deux. Cale la caméra, t'es pas, on reste par là, là, on fait le tour. Je sais pas dans quoi on s'embarque là. J'ai peur de tomber. 3, 2, 1, go. Mais j'arrive pas à mettre dessus. J'arrive pas à mettre dessus, ça glisse. Oui. Ah, elle est passée où la Léna aventurière, casse-cou? Non mais c'est juste là, j'ai peur de me casser la gueule en fait, c'est tout. Bah, c'est pas grave au pire. Bah oui mais la trottinette, c'est pas nous. Tu penses à toi, tu penses pas à la trottinette espèce de mythe. Je oui, pense aussi à mon sac. Viens, je monte derrière toi. 3, 2, 1. Go. Allez vas-y. Je me suis mal élancée. 3, 2, 1. Vas-y go. Allez. Voilà c'est bon. Bah ça y est. On l'a. On est parti les gars. Je sais pas où je vais là. Mais là par contre on va à la vitesse des escargots, va falloir passer la seconde. J'ai très peur. Oula, il y a un vélo. Là, je peux pas vous laisser passer monsieur. Là où? Là. Oh mon dieu. J'appuie à fond là. Hein. Mais oui parce que faut tu peux régler la vitesse. Attends. Ah non mais non, pas trop. C'est bon, j'ai mis 3, j'ai mis 3. Je m'en fous, je reste au milieu de la route, les Parisiens ils vont se faire foutre. Il y a un feu, faut que je respecte le feu ou pas? Non. Mais c'est une voiture en face. Ah oui, fais gaffe. Bah doucement genre. J'ai une voiture. Oh, ça me stresse. Je vais où là? Tourne, là. À droite? Oui, à droite. Allez. T'as la main sur le frein au cas où hein. Non, c'est bon. C'est bon? Mais oui. Elle est folle. Elle avait pas la main sur le frein. Il y a plein de gens là, je fais quoi? Bah tu leur fonces pas dedans. Je crie, c'est bon, hein, je m'en fous, c'est la sonnette. C'est la sonnette. Attends, là il y a plein de voitures là. Vas-y, fonce, c'est bon. Là il y a un trottoir, Oh mon dieu, le stress de ma vie là. J'ai jamais été aussi autant stressée de toute ma vie entière. Let's go, troisième Too Good To Go. On aura vraiment tout fait dans ces vidéos YouTube. Putain, mais il pleut, j'avais même pas capté tellement que j'étais dans le stress de la trottinette. Pluie, plus de batterie, trottinette cassée. Deux enfin, elle est pas cassée, mais c'est nous qui on sommes est cassés. Cassés, vraiment. T'es prête, second round? Vas-y, 3, 2, 1. Main sur le frein, Léna, main sur le frein. Oui. Bip, bip. Bip. J'ai tous tes cheveux dans la bouche. Ah. Les vélos qui veulent doubler là, je crois. Bah, je m'en fous, ils se démerdent. On peut pas aller plus vite là, vraiment? Si, mais c'est moi. S'il te plaît, non, vas-y, Léna, je t'en supplie, c'est bon. Je suis à fond là. Bip, bip, on tourne. Oh non, les pavés. Oh putain. Allez. On est sur les pavés. Tout go, tout go. Le stress. Ah. Oh, c'est horrible, les pavés. Il y a toute ma graisse. Ah. Non, arrête. Ah. Léna, faut prévenir avant de s'arrêter. C'est pas possible d'avoir une trottinette et de descendre et de faire du à pied là comme ça. C'est la voie des bus là. Vas-y, go vite, Yana. 3, voilà. 2, 1. Go. Elle où la piste cyclable du coup? Je sais pas, y en a pas, je crois. Y'a un bus qui arrive, vas-y, trace, va au plus vite, s'il te plaît. Je suis pas sur la bonne attends, voie. Attends. Fais gaffe de pas te taper la voiture, hein. Attention, vélo. Ça va, c'est pas faire. Allez, vas-y, go. Et où là? Tout droit. Bip. Je stresse. Je suis en mourir. Elle dit bip comme ça. Bip. Je vais où là? Là à gauche. Fallait voir la tête des gens quand elle crie. Bip. Ah elle... Il y a la pluie vraiment qui nous fouette la gueule. Ah ouais là. C'est horrible. Il pleut beaucoup là, j'ai l'impression. Ah, ne ça panique pas. Ah je vais où là? Je me déséquilibre un peu. Oh mon dieu. Mais tiens moi. Oui, je te tiens, mais t'inquiète. Je vais où là? Je sais pas où je vais. Ah oui. Oh, je suis trempée. La caméra, elle est plus avec nous là. Non, là, ça craint là. Les gars, on vous rappelle, hein. Non, mais on peut pas là. Oh my god, les gars, mais attends. Je ne frise pas des cheveux, ils ont frisé. Attends, mais attends, j'attends. On dirait que t'as fait 15 heures de salle. Oh mon dieu, là, on voit grave bien. Non, là, je suis choquée, par contre, c'est une blague.
Je ressens plus rien là. Putain, mon make-up il tient bien, dis. Je suis choquée comme on est trempé, je m'étais pas rendu compte là, avec le stress de la trottinette. Je ne frise pas à la base, là j'ai frisé quoi. Oh my god, une pouilleuse. Years later. Les gars, je suis devant l'Otogotogo Boenmi. C'est ma boulangerie préférée à Paris. Genre vraiment, elle est trop trop bonne. Bonsoir, je viens pour récupérer un Togo Togo. Ok, alors attendez. Tac, hop, nickel. Merci beaucoup, bonne soirée. J'ai même pas le temps de parler parce que je l'ai déjà eu. Ok, j'ai récupéré le Togo Togo. Il y en a une tonne, les gars, c'est super lourd. Oh my god. Là, on va faire la dégustation. J'ai trop hâte. C'est ma boulangerie préférée, je l'adore. Bon, Togo Togo. Oh my god. Quoi, oh my god. C'est énorme. Je suis choquée. Ça pèse. Il y en a deux. Oui. Ah. Il y en a deux. Oh my god. Ah oui, t'as pas ouvert, je pensais. Bah non, j'ai pas ouvert. On a payé 4,50€. Oh my god. Et le panier était censé faire 21€. Oh my god. Alors là, on a renta de ouf. Ta da 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 da. J'espère qu'il y a des trucs sucrés surtout. Oh my god, il y a un truc salé. C'est quoi? Ah non, ça a l'air d'être un peu dégueulasse. Ah, il y a de la viande crue dedans. Non, non, regarde, il y a plein de cornichons et tout en fait. C'est un burger en modèle cheap. Ah non, il est pas mal. Ah bon, ouais. Je peux voir le faire goûter avec le poulet. Et on a un autre Togo Togo après. Hein. Mmh. Non, non, il est bon. Hein. Oui, ça se voit. Ah ouais. Mmh. Oh, mmh. La sauce. Ah ouais. J'ai envie de le finir, mais après on a l'autre. On a l'autre panier, ça va être que du salé. Donc, je m'en fous. Tant pis. Je m'en fous. Oh. L'autre, il est à 22h, il est quelle heure là? Dans 2h, j'aurai refaim. Déjà, rien qu'avec ça, je pense qu'on a renta. Hein. Ça doit coûter 4,50€ au moins. Ah ouais. Dommage qu'on en a qu'un pour nous. Trop bon les gars. 10 sur 10. Ouais, franchement trop bon. Pas sec du tout, parfait. Il y a un paquet contre un paquet. Ouh là là pour ce soir. C'est salé, c'est salé, c'est salé. Oh my god, petit pain. Oh, petit pain genre parmesan. Tout ce que j'aime dans un pain. Lardon fromage. Oh. On dirait une pizza sandwich. Ah ouais, c'est très très bon. Ah, on en a un deuxième. En plus, Léna elle aime les pains blancs et moi j'aime les pains bien grillés. Oh là, on était gâtés. Le deuxième paquet. Première déception de la journée. Bah en vrai pour le matin toi t'aimes bien le pain. Il aime bien le pain, tu peux le faire griller, on a un pain. On a que des croissants tout simple. Moi je déteste les croissants. Moi je mets les fougueux au Nutella. Ah attends, c'est un croissant ça. Mini croissant, on va goûter quand même. Très bon, pas rassis du tout. Pas rassis elle a dit. Moi j'aime pas les croissants. Non, il est très bon. Il est très bon. Ah ouais j'avoue. Les gars c'est un 10 sur 10 là. Franchement tout ce qu'il y avait je pense qu'il y en avait pour. Bah viens on va voir. Ah non je calcule. 17,70€ et on l'a payé 4€. Ouais mais ils annonçaient 21 quand même. Ah ouais. Mais dans tous les cas c'est rentable de ouf. Oui, genre voilà. Tu sais que là moi j'ai pas pris tout le temps. Ah ouais la même économie d'argent hein, parce que Paris ça coûte cher à la ville. On s'est posé un petit café, on va attendre jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller chercher l'autre Togo Togo. Notre journée s'est résumée à attendre que les paniers soient prêts genre. Nous sommes devant le dernier Togo Togo. Côté sushi. Côté sushi. On va voir ce qu'ils nous donnent déjà. Bonsoir. Togo Togo à récupérer. Ouais, des sauces sucrées, s'il vous plaît. Wasabi, gingembre. Ouais. Merci, bonne soirée, au revoir. Tu vas être contente de la grosse flemmarde, il y a le Uber qui est juste là, on rentre pas à pied. Oh my god, il a commandé le Uber. Oui, parce que je sentais que là, elle allait s'évanouir là. Oui, vraiment, j'en pouvais plus de marche. Bon, du coup, par contre, il a mis que deux pots. Non, attends, dis-moi qu'il y avait quelque chose. Non. Du coup, c'est pour ça que j'ai gratté les sauces, le wasabi, le gingembre, j'ai tout gratté. Non. En vrai, trop bien pour demain midi. Non, pour demain midi, en vrai, ça donne grave envie. Mais juste là, j'ai pas du tout envie. Pareil, j'ai pas du tout envie de poké. Non, mais surtout que côté sushi, en gros, j'adore parce qu'ils font des sushis grave originaux et tout. Il nous a passé des pokés, je suis dégoûté. Non, en plus, on avait 7€. Attends, non, mais si, on l'a renta quand même de ouf. On 27. A payé 7€ au lieu de 27€. Et ils avaient annoncé 21€. Donc, on est plus gagnant que Bohemian en ce moment. C'est juste que moi, j'avais trop envie de sushis là. On a renta, mais bon, j'ai pas du temps avec poké. Enfin, j'ai pas mangé. Je vais finir le bohémien, hein, je préfère ça. Ah non, moi aussi je veux le bec. Ah ouais, on en a qu'un pour deux, pardon. Dernier Too Good To Go de la journée, j'en peux plus. On dit ça parce que vraiment ça fait depuis 8h du mat. On marche de. On a fait tout Paris. En Too Good To Go, ouais, vraiment on avait tout Paris. On a fait tout Paris. On a eu deux pokés. Non, en fait, regarde, ils sont beaux de ouf. Juste que moi je m'attendais, comme c'était le soir. Et je me suis dit du liquide, tout ce qu'ils ont, genre, je me suis dit ils vont tout nous donner, genre, pas du tout. Tu veux manger? Bah on goûte quand même, oh c'est le rituel. Bon voilà comment on se présente la poké. La poké tu dis? Ouais.
le Pokémon. Non, je dis la Pokéball. Un Pokéball. Une Pokéball. Une Pokéball. Une êtes... boîte. Une Poké. Non, mais rien à voir. On a eu le... On a censuré même. Peut-être que j'ai envie de la manger maintenant. C'était sûr. Serre-toi, ma vie, tu vas pas le manger dans mon entier, je te dis. Si, si, si. J'ai envie. Hein. Tu veux pas qu'on partage alors? Comme ça, on garde lui pour demain. Parce que ah bon, oui, j'avoue. Je pense pas que tu vas finir, je te dis la vérité. Par contre, moi j'aime bien les mélanger. Hein. Lui, il aime bien prendre partie par partie. Alors, putain, on est vraiment jamais coordonnés. Genre, c'est trop bien. Partie par partie. Quand on fait un séchoir, on prend partie par partie. Oh, tu vas m'apprendre à faire le brushing à moi? Si vous me croisez dans la rue, vous me dites une ref. J'ai toutes les refs du monde. Oh, attends-moi. La seule chose sur laquelle on s'accorde, c'est qu'on aime bien tous les deux la sauce sucrée. Allez, voyons. L'autre, il y a 2 secondes, je voulais pas manger. Non, mais gars, je vais aller prendre une fourchette. Ouais, ça m'a gavé. Ah, c'est mieux avec une fourchette, je pense. Je vais me faire des grosses pochettes mortelles. Elle est excellente, hein, par contre. Régalade. Ah, putain, oh, on en fout partout. Mais toi, tu rajoutes ton wasabi. Ouais, ça m'a rachemé. Je crois en bas, c'est quoi votre problème à manger épicé? Genre, c'est quoi votre truc? Pourquoi vous aimez ça? Que ça vous pique? C'est de la torture? Ouais, j'avoue. Je comprends pas. Moi, je mets un 9 sur 10. Ouais, franchement, 9. Bon, les gars, c'est la fin de cette journée intense. Ça va. Bah c'est vrai, attends, combien de pas on a fait? 16 741 pas. Et moi je regarde dans le Uber, 19 000 je crois toi t'en as fait. Wouah. Donc là mes pas ils vont aller dormir. Enfin moi je vais aller à la douche d'abord et après je vais aller dormir. Voilà, j'ai qu'une hâte c'est faire ça. Vu qu'on est à Paris, on est propre, on va aller tous les jours à la douche. On n'est plus des mini cracra. Mais ce qu'on a dit hier, ce qu'on a évoqué c'est que niveau corporel, on n'est plus des cracra. Par contre l'appartement est dégueulasse depuis qu'on est arrivé, on a pas fait le en gros, si on douche et qu'on marche pieds nus, bah ça revient Moi je marche pieds nus, toi tu marches pieds nus. Pour chercher mes pantoufles. Bah oui, mais t'as quand même fait des papiers nus, donc oui, c'est dégueulasse. Vrai. Bref les gars, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une édition 2, faites-nous le savoir en mettant un pouce en l'air. Franchement avec plaisir, en tout cas nous. Ouais, on a kiffé. En tout cas, bah, dites-nous si vous voulez potentiellement une édition 2 en mettant un pouce en l'air, un petit commentaire. Ouais, une édition 2, pourquoi pas qu'on teste toute une journée, genre en mode petit déj. Déjeuner et dîner d'un seul pays, tu vois. Ah ouais, ça peut être stylé. Ça peut être cool. Ça peut être très stylé. Vu qu'on a parlé du Maroc, je me suis dit pourquoi pas faire une petite édition comme ça. Dites-nous en commentaire, vous avez de l'inspi, donc on reprendra tout simplement de l'inspi, quoi. Bon, les gars, quant à nous, on fait plein d'énormes bisous. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. On vous aime fort, bisous. Et désolé, on a très mal cadré dans cette vidéo. On a très mal géré la luminosité. Mais le principal, c'est qu'on était. Déter. Super. They pregnant for way too long to be mama. She not doing a baby mama work.